que j'adore préparer mon anniversaire. Diana, ton anniversaire est dans 2 semaines. Et alors, Knoppa, il n'est jamais trop tôt pour se préparer. Diana, et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, Nastia, tu es si naïve. Ce sont des petits masques pour prendre des photos. Les filles, j'ai tellement hâte de voir quel cadeau je vais recevoir. Diana, je t'ai déjà commandé ton cadeau et je te promets que tu seras surprise. Moi, j'ai un petit souci de finances. Mais je t'offrirai une carte postale. Ce sera très mignon. Oui, bien sûr. J'adore les cartes postales. Mais Nastia, ne fais pas de faute d'orthographe, d'accord? Diana, arrête. Je sais écrire sans faute. Nastia, j'ai 3 cartes postales de toi et toutes contiennent des fautes. Nastia, tu dois vraiment penser à autre chose qu'aux garçons. Alors les filles, où est-ce que je vais mettre ces jolis ballons? Tu n'as qu'à les coller sur ton front, Diana. Nastia, mais pourquoi? Vous m'énervez, je viens de vous dire que je ne fais pas de faute d'orthographe. Mais calme-toi. Nous sommes tes amis, ne t'inquiète pas, on dira à personne que tu truffes tes cartes postales de faute d'orthographe. Eh bien voilà, je t'avais dit que Dima m'aimait. Regarde, il m'a offert un cadeau tellement cool. Génial, Dima t'a juste offert un haut. Tu es folle de joie, comme s'il t'avait offert une voiture. Écoute-moi, il m'offrirait une voiture si j'en avais besoin. Tu vois, il m'a offert ça comme ça, alors que c'est même pas mon anniversaire. Les footballeuses, vous ne voyez pas qu'on est là? Vous pourriez faire un peu moins de bruit? On est au beau milieu d'une discussion importante. On est en train de préparer l'anniversaire de Diana, qui aura lieu dans 15 jours. Oh, Diana, ça va être ton anniversaire? Cool! Et ton ex, je veux dire mon petit copain Dima, il m'a offert ça. Il t'a déjà fait des cadeaux comme ça? J'en ai marre de cette frimeuse. Merde, je trouve que ces ballons ne sont pas très bien ici. Écoute, Lorraine, je ne suis pas du tout intéressée par mon ex-petite amie, et encore moins par toi et votre relation. Lorraine, c'est pas la peine de frimer. Je ne comprends pas. Tu te comportes comme ça parce qu'on ne t'a jamais fait de cadeau avant? Vous êtes juste jalouse. Je t'ai déjà dit d'arrêter de frimer. Et Diana, où est-ce que tu vas faire ton anniversaire? À l'école, à la maison de campagne et au restaurant. Cool, et je serai invitée à tous ces endroits? Mais bien sûr, comment ne pourrais-je pas inviter mes amis? Nastia, tu viens aussi avec ta carte postale? Diana, cette fois, il n'y aura aucune faute d'orthographe. Tu verras. Et Diana, tu vas fêter 17 ou 18 ans? 17 ans, Lorraine. Eh oui, je serai bientôt majeure. C'est pourquoi je vais faire une grande fête. Et pourquoi tu ne nous inviterais pas, Dima et moi? On t'offrirait un super cadeau. Arrête, les pom-pom girls ne nous inviteront jamais. Oh, oh Diana, on dirait que quelqu'un te supplie. Mon ex n'a rien à faire à mon anniversaire et surtout pas avec une fille. C'est ça, Diana. N'oublie pas notre règle d'or. Elle doit être respectée. Je savais que tu dirais non. C'était juste un test. Je ne viendrai jamais à ton anniversaire. Et Dima pourra m'offrir ton cadeau. Lorraine, arrête de te vanter. Écoutez, les footballeuses, maintenant, sortez de notre chambre. Personne ne vous a demandé de venir ici. Et arrêtez de vous regarder dans notre miroir. Le vôtre est dans les toilettes. Allons-y, Nancy. Diana, tu es juste jalouse que ton ex sorte avec moi. Mais pourquoi elle réagit comme ça? Cette fille est tellement arrogante. Diana, elle est juste terriblement jalouse. Mais ce n'est pas de ma faute. Bon, les filles, où est-ce qu'on va mettre ces ballons? Et pourquoi pas ici? Mais tu viens de dire que ce n'était pas joli. Où alors? Oh, sur le miroir. L'as-tu entendu? Cet éléphant a faim et veut être nourri. Et c'est un lion avec une patte blessée. Je sauve les animaux tous les jours et j'ai besoin de ton aide. Remettons ces animaux sur pied et construisons des maisons pour chacun d'entre eux. Télécharge notre jeu maintenant. Nos amis les animaux n'attendent plus que toi. Alors les gars, quel gâteau allons-nous préparer pour Diana pour son anniversaire? Et qu'est-ce qu'on va écrire dessus? Eh bien, pour ma chérie? Non, pour notre chérie! Ok, pour son anniversaire, je suis d'accord pour qu'on fasse la paix. Eh bien, le gâteau devrait être en forme de cœur et signé Gucci! Et pourquoi pas simplement je t'aime? Diana aime les grandes marques! Bon les gars, stop! Le cœur et la marque Gucci, c'est un peu bizarre. Et pourquoi pas un gâteau en forme de sac Gucci? Oui, ce sera moins litigieux qu'un cœur. Si Diana aime les marques, faisons-lui 2 gâteaux! Un en sac Gucci et un en basket. De quoi tu parles? Un gâteau en basket Dior. Oh, c'est cool. J'offrirai à Diana le gâteau cœur. Et tu lui donneras celui en sac Gucci, Louis Vuitton, tout ce que tu veux. Bon, les gars, l'heure tourne. Décidez-vous. Oui, et on a besoin d'une avance pour acheter les ingrédients. Mince, c'est la partie que je déteste le plus. C'est pour ça que Diana ne veut pas de toi. T'es un radin. Vous avez besoin de combien? Ice. Eh bien, les gars, disons environ 10 000 roubles. Il y aura plusieurs gâteaux. Ouais, je crois que 10 000, c'est assez. Combien? Tu as entendu? 10 000 roubles? Tu es sourd? Si tu veux venir, tu dois aussi participer pour les gâteaux. D'accord. Oh, les garçons, vous êtes très généreux. Et vous voulez quel genre de garniture? Pizza ice, une carbonara? Oh oh, c'est à qui? Franchement, mais pourquoi ce mec arrive toujours au pire moment?
Je suggère un Red Velvet. C'est vraiment délicieux. Et le blanc, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour l'anniversaire de Diana. Les garçons ont commandé des gâteaux. Hein. Oh, et elle vous a tous invités? Oui. Même moi et Ice. Bizarre, je n'ai pas encore reçu d'invitation. Je vais aussi participer. C'est combien? On le laisse participer? Ouais, de toute façon, Diana se fiche de lui. Hein. C'est 5000 par personne. Ok, dites juste à Diana que j'ai aussi participé. Je vais être sur la liste des invités. Alors, où est ma carbonara? Les gars, vous en voulez aussi? Oui. Alors les gars, vous êtes prêts à faire la fête? Tu feras la fête avec Lorraine, loin de Diana? Oui, elle ne t'invitera pas. Bon les gars, quelqu'un va bientôt fêter son anniversaire. Yana, Lialia, venez. On se fiche complètement de son anniversaire. Mais vous aussi, vous aurez le vôtre un jour. Hein. Très bien, les gars, organisons quelque chose de spécial pour sa fête. Faites travailler vos ménages, s'il vous plaît. Que pourrions-nous organiser pour elle? Mais c'est qui d'abord? Qui hein? Celle que vous détestez tous. Une des pom-pom girls, Bunny. C'est Diana qui va fêter son anniversaire. Quoi? Diana va avoir son anniversaire et on doit se creuser les méninges? Je ne me rappelle pas que Diana se soit déjà creusé la tête pour nous. On ne fera rien du tout, on s'en fout. Les Fox, on est bien d'accord avec vous. Les gars, allez, Diana vous invite tous à son anniversaire. Et on ne va pas lui offrir de cadeau. Offrons-lui un cadeau bon marché, hein. Une carte postale. Non, il faut qu'on fasse quelque chose de plus cool pour Diana. Et pourquoi pas un vol en montgolfière pour tout le monde? Patrick, c'est ton anniversaire ou celui de Diana? Comment ça, une montgolfière? On n'a qu'à lui offrir un savon parfumé fait maison. J'ai des moules chez moi. Attendez les gars, vous discutez déjà du cadeau de Diana, mais vous êtes sûr qu'elle va vous inviter? Je n'ai reçu aucune invitation. Et si c'était une fête uniquement pour les basketteurs et les pom-pom girls, hein? Et pourquoi on aurait besoin d'une invitation pour y aller? Je suis sûr que la fête aura lieu ici. Les gars, vous êtes tous invités parce que je vais superviser la fête, hein? Mais on doit offrir un cadeau à Diana. Quelque chose dont Diana se souviendra pendant très longtemps. Un cadeau sincère. Moi, je pense que chacun devrait lui offrir un cadeau de son côté. Les Frogs lui offriront un cadeau. Et les perdants lui offriront un cadeau. Et Diana va l'adorer. Les perdants, je peux faire avec vous. Hein. Et voilà, encore des dépenses. Quelles dépenses? On n'a qu'à lui offrir des biscuits. Hein. Thomas, qu'est-ce que tu racontes? Quels biscuits? Je sais qu'elle va adorer. Hein. Elle se souviendra de ce cadeau toute sa vie. Hein. Pour notre cadeau? Si on veut que Diana se souvienne de notre cadeau comme le plus cool, on doit d'abord savoir ce qu'elle aime. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre, les filles? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que vous feriez sans moi? On le saura ce soir. La fête va durer 3 jours. Hein. Votre cadeau doit être génial, là. J'attends vos idées. Et ceux qui veulent juste donner de l'argent, donnez-le-nous. Allez, Diana, lis-nous ta liste de souhaits pour ta fête. Ok, les filles, je vais vous lire ma liste. D'abord, j'ai envie de magnifiques ballons en forme de lapin. Des lapins, c'est tellement mignon. Ensuite, je veux un très gros gâteau rose. Diana, j'espère que quelqu'un t'offrira ça. On sait tous que tu aimes le rose. Très bien. Mon souhait suivant, un collier avec des petites oreilles de lapin. Diana, c'est exactement ça que je voulais t'offrir. Mais j'en ai pas trouvé. Et en plus, tu connais ma situation financière. Alors, je vais te donner une carte postale. Nastia, ce n'est pas grave. Ok, les filles, mon prochain souhait, j'aimerais atteindre les 12 millions d'abonnés sur ma chaîne Lady Diana. Oh, un cadeau de la part des abonnés? Ce serait génial. Ce serait tellement cool. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-le pour elle. Et mon tout dernier souhait, je veux que tous mes abonnés jouent à mon jeu Diana City. Ce serait pour moi le plus beau des cadeaux. Diana, je suis certaine que lorsque tu souffleras les bougies de ton gâteau d'anniversaire, tous ces souhaits se réaliseront. Ok les filles, on entre et on se prosterne autant que possible. C'est compris. Les filles, on peut entrer? En fait non, mais vous êtes déjà là. Qu'est-ce qu'il y a les Frogs? On espère qu'au moins c'est important. En fait on est venu discuter. Écoute Diana, qu'est-ce que tu offrirais comme cadeau d'anniversaire à quelqu'un? Quoi? C'est juste parce que tu as très bon goût et on te fait confiance. Oui Diana, qu'est-ce que tu offrirais à une fille? Je me demande de qui il s'agit. Vous allez à un anniversaire? Oui, à celui d'une fille. Diana, donne-nous des conseils pour que notre cadeau soit le plus cool. Vous savez quoi les Frogs? Si vous voulez aller à l'anniversaire d'une fille, choisissez vous-même son cadeau. On a sûrement des goûts très différents des vôtres. On aime les lapins blancs, tout mignons. Et vous, vous aimez les crapauds laits et verts. Je vois, elles ne vont pas nous aider. On n'aurait pas dû venir ici. Les filles, vous espériez quoi? Allons-y, les filles. On n'a rien à faire ici. Comment peut-on conseiller pour un cadeau si on ne sait pas à qui il est destiné et ce que cette fille préfère? Ah, t'en fais pas, Knopa. Alors, Diana, c'est quoi ton prochain souhait? Nastia, en fait, ce sont là tous mes souhaits.
Ah oui, Diana? Moi, je crois qu'il en manque un à ta liste. Quoi, Nastia? Une carte postale avec un poème? Ouais. Ok, Nastia, je vais l'ajouter. Blondie, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Eh bien, un crapaud vert et lait. Ouais, comme ça, elle s'en souviendra toute sa vie. C'est clair, elle ne pourra pas l'oublier. Alors, tu dis qu'on sera invité? Oui, Diana invite tout le monde. Elle n'oubliera pas les zombies. Oui, elles m'ont envoyé exprès pour vous avertir. Elles ont dit que vous devrez acheter un cadeau. Et la fête aura lieu à la maison de campagne. Je vais revoir Nastia. Mais tu l'as larguée. Et alors, je vais me remettre avec elle. Ok, c'est cool qu'on soit invité. Achetons-lui un cadeau. Non, je ne vais pas participer. J'ai déjà un cadeau en secret. Alors les gars, vous êtes partants? Bien sûr qu'on l'est. Attends Kostia, t'es allé acheter un cadeau en secret et tu ne nous l'as pas dit. Les gars, je ne fais jamais de trucs avec les autres. Je donne des cadeaux séparément pour qu'on se souvienne de mon cadeau. Qu'est-ce que Diana aime? Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Peut-être que elle rêve de quelque chose. Je pense que votre présence sera le plus beau des cadeaux. Mais vous pourriez lui offrir un bouquet de fleurs ainsi que votre bonne humeur. Voilà, je crois que j'ai tout nettoyé. Les fleurs... Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Un cadeau de Kostia? Kostia, un cadeau! Mascotte, je te garantis que Rabel est bien de la bonne humeur. Non, pas ça! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quelqu'un crie! C'est Zalina, elle est heureuse. Kostia, je suis désolée d'avoir trouvé ton cadeau. Je suis tellement heureuse. Merci. Cool, je suis content que tu l'aies trouvé. Comment t'as fait? J'étais juste en train de faire le ménage et je l'ai trouvé. Kostia, qu'est-ce que tu m'as acheté? Je peux l'ouvrir? Je ne peux jamais te cacher quelque chose. Tu trouves toujours tout. Oui, je suis comme ça. C'est un cadeau pour nos 3 mois de relation. Allez, ouvre. Kostia, vas-tu demander Zalina en mariage ou quoi? Eh bien, Kostia, tu es si cool. Oh, un bracelet de couleur rose et bleu. Kostia, merci. Zalina, en fait, ce cadeau est pour Diana. Kostia, quoi? Comment ça pour Diana? Et maintenant, c'est le tien. Kostia, maintenant tu dois cotiser. Tu n'as plus de cadeau. Alors les gars, combien on va donner? Et qu'est-ce qu'on va acheter? Acheter un jouet en peluche, genre un lapin. Diana adore ça, tout comme moi. Je vois, vous allez tous à un anniversaire. C'est la fête de qui? Diana la pom-pom girl. Super, je vais lui faire un gâteau au brocoli. Allez, sors ton téléphone avec la pomme croquée. Il faut qu'on choisisse des tenues pour se relooker. Tu as raison, à la fête de Diana, il faut qu'on soit les plus cool. Je crois que ce bracelet a une signification. Laquelle? Un garçon et une fille. Ce sont les couleurs préférées de Diana, rose et bleu. Kostia, quand tu veux, tu es vraiment rabat-joie. Ok les gars, on a le gâteau, mais quel cadeau on va lui offrir? Timur, tu es le dernier à être sorti avec Diana, qu'est-ce qu'elle aime? Eh bien, elle ne m'a rien dit. Hein. Et tu n'as rien demandé. Oh les basketteurs, justement, c'est vous qu'on cherchait. Vous êtes en train de discuter de l'anniversaire de Diana, n'est-ce pas? Comment vous savez ça? On passait par là et on a une très bonne audition. Alors les gars, vous cherchez à surprendre Diana pour qu'elle soit subjuguée? Oui, bien sûr! Comment vous pouvez nous aider? Vous ne savez rien sur Diana! Attends Roméo, tu te trompes! Les gars, vous oubliez que nous avons été de grandes amies de Diana avant. Et on sait comment faire pour savoir ce que veut Diana. Eh bien les rats, allez, dites-nous! Vous nous rendriez service! Mais ne croyez pas qu'on va vous dire ça! Comme ça, si on vous aide, vous devrez nous emmener avec vous à la fête privée. On est aussi au courant pour la fête privée. C'est ça, comme si les rats pouvaient aider gratuitement. Du calme, Roméo. Les rats, d'accord? Dites-nous. Chaque année, avant son anniversaire, Diana fait une liste de souhaits. Et elle espère toujours que ses souhaits se réaliseront pour son anniversaire. Ça, c'est vraiment cool. Ok, apportez-nous cette liste. Tu es malade ou quoi? Il est quasi impossible d'accéder à cette liste. Ok, où est cette liste? Dans l'armoire? Ce n'est pas aussi facile. Cette liste de souhaits est dans le téléphone de Diana. Oh! Le téléphone de Diana change de mot de passe tous les jours. Gamin, tu dois bien le connaître. La dernière fois qu'elle l'a changé, c'était quand on était ensemble. Ben, elle a déjà dû le changer. Et si on tentait? Prenez ce risque. Et là, vous pourrez surprendre Diana. Vous pouvez parfois être utile. Allons-y. Allons voler le téléphone de Diana. On va juste pirater son mot de passe. Très bien les filles, prenons notre douche et faisons notre liste des invités. Diana, et qui est-ce que tu vas inviter? Les basketteurs? Nastia, oui! On est quand même dans la même école. Et pour nos éternels rivales, les Frogs? Eh bien, j'inviterai tout le monde les filles, et même les rats. Mais pas à la fête privée quand même. À cette fête, on sait qui sera là. Eh oui, on sait! Vous vous rappelez de tout? De ce qui a été convenu? Surtout ne dites aucune bêtise, ou elles vont se douter qu'on prépare quelque chose de louche. C'est compris! Allez, ouvrez!
y a personne. Et le téléphone? Le téléphone est là. Alors, qu'est-ce que tu attends, abruti? Apporte-le ici. On doit connaître sa liste de souhaits. Vraiment? Vous voulez que mes empreintes restent sur ce téléphone? Mais tu plaisantes? Voilà, les souhaits sont dedans. Vous connaissez son mot de passe? Les bunnies doivent être en train de prendre leur douche. Et si les bunnies sont en train de prendre leur douche, alors c'est sûr que ça va durer des heures. Mince, le mot de passe que je connais ne marche pas. À toi? Ah non, je ne veux pas le toucher. Bon, alors dis-le-moi. 5-5-1. 2-5-1. Il a 6 chiffres, Timur abruti. Ok, 5-5-1. 2-5-1. 0-5-1. Alors? Ça a marché? Je comprends pas, elle parle avec un certain Zeka. Mais c'est qui ce GK? On t'invite à une fête privée? Hey, on n'est pas là pour ça. Smile, allez, on se fiche de Zeka. Va dans les notes et regarde la liste. On va se faire prendre la main dans le sac. Dépêche-toi d'ouvrir et de regarder. Attendez! Je sais qui est ce GK. Qui? Eh bien, c'est le voisin de Diana. Et il la mate avec des jumelles. Comment tu sais ça? Je l'ai aussi maté avec des jumelles. Oh les filles, regardez-moi ça. Je crois qu'on a de la visite. Normal, on s'est absenté. Je crois qu'on ne vous a pas invité. C'est moi ou Smile tient ton téléphone? Lialia, dans quoi on s'est fourré? On ne connaîtra jamais sa liste de souhaits. Diana, qui est Zeka? On vous laisse. Écoutez les basketteurs, qu'est-ce que vous faisiez ici avec les rats? Et pourquoi vous étiez en train de fouiller dans mon téléphone? Qu'est-ce que vous fabriquez, les gars? En fait, on est là pour des affaires? Tout est fichu car Smell a vu autre chose. C'est la faute de Zeka. Merde, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut fouiller dans le téléphone des autres et entrer dans les chambres sans permission? Les garçons, dehors. Et vous n'êtes plus invités à ma fête. Je vous rais de la liste aujourd'hui. Diana, qu'est-ce que tu crois qu'il voulait voir sur ton téléphone? Et avec ses rats? Knoppa, j'en sais rien. Mais les basketteurs me surprennent de plus en plus. Les gars, c'est sûr, vous savez ce qu'il faisait sur mon téléphone. Dites-le nous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir!